Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, bienvenue au journal. Fin hier du dialogue national rwandais qui a passé en revue les problèmes de la société rwandaise, le Premier ministre Bignon Luc Adorciao a salué cette initiative de démocratie directe. Le torchon brûle entre militants du CDP et de l'UNIPS à Tema-Bokin au lendemain de la publication des résultats provisoires des municipales et législatives du 2 décembre. Bientôt, un salon de la faune et des ressources induites, en abrégé Safari, pour nous en parler. Le commissaire général du salon prévu à Fadangourma viendra nous rendre visite. Ainsi donc, le dialogue national rwandais a pris fin hier à Kigali. Pendant 2 jours, les débats ont permis de passer en revue les difficultés qui minent la bonne marche de la société rwandaise. Le président Paul Kagame a pris l'engagement de les aplanir et a donné rendez-vous à ses concitoyens en 2013. Compte rendu de nos envoyés spéciaux, Mamadou Dabiré, Arsène Evariste Kabore. Monsieur le Président de la République, je retiens 3 enseignements majeurs. C'est que le dialogue national rwandais est la preuve d'une véritable démocratie. Dans les réalités de votre pays. Ce que vous faites, très peu de dirigeants dans le monde sont capables de s'adonner à cet exercice. Burkina Faso, son espace Belle Concorée, s'inscrit dans le même processus parce que nous avons également des forums dans lesquels, effectivement, lui-même s'entretient directement avec le peuple burkinabé à travers ses différentes composantes. La seconde leçon que je tire de tout ce forum, c'est que le dialogue n'est possible si nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Le torchon brûle entre militants du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP et ceux de l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste UNIPS à Tema-Bokin dans le Passoré. Une décision de justice sur des recours concernant les dernières municipales serait à l'origine de la montée de la tension. Les militants des deux partis se sont affrontés, faisant plusieurs blessés. Reportage Abdelaziz Yagibou. Sans distinction de sexe ni d'âge, les affrontements de Tema-Bokin entre militants du CDP et ceux de l'UNIRPS ont fait des blessés. Une dizaine environ, dont 5 qui viennent de regagner le département après avoir passé une nuit au centre médical de Yako. Le conflit a éclaté jeudi dernier dans l'après-midi lorsque le verdict du tribunal administratif est tombé. Un verdict qui déclare irrecevable le recours de l'UNIPS à l'annulation des élections municipales dans certains bureaux de vote parce que, ayant été déposé hors délai, nous a-t-on confié. À l'audience, nous avons été informés que nous étions forclos. C'est-à-dire que nous avons déposé notre dossier tard, pas dans le délai. Donc, par conséquent, notre dossier ne pouvait pas être examiné au fond. En réalité, nous avons déposé notre... Moi, j'ai envoyé ici des gens aller déposer le dossier le 5. Ils sont revenus me dire qu'ils ont déposé ça à 16 heures. On nous a demandé de produire un mémoire en défense. Nous avons produit le mémoire en défense. Nous avons été convoqués pour... l'audience du tribunal ou le 13. En l'absence de la version des autorités déconcentrées qui ont refusé de s'exprimer, seules les deux parties en conflit nous ont exposé leur version des faits. Celle du CDP tient en ces mots. À l'issue des consultations, le CDP a obtenu 41 conseillers contre 40 à l'UNIRPS. Il y a eu des tentatives de faire croire à l'opinion publique que c'était le contraire. Nous avons
donner la version à travers la presse. Bon, je pense que tirant leçon de leur échec, ils ont eu recours à la justice auprès du tribunal administratif de Yako pour demander l'annulation de certains bureaux de vote. Nous nous sommes rendus au palais, ils ont été déboutés. Devant toutes les parties, le tribunal a donné la preuve qu'ils ont déposé leur recours pas dans les délais légaux. Tout le monde était présent. Je pense que leur avocat devant le tribunal et toutes les parties a pris acte de ce que l'UNIR PS a déposé le recours hors des délais légaux. L'article 261 du code électoral est clair. Ça doit être fait dans les 72 heures. Ils l'ont fait 120 heures après. Donc la forclusion, ça a été prononcé. Ils ont été déboutés. Avec les forces de sécurité qui sillonnent le département prêtes à parer à toute éventualité, la journée du vendredi a connu une accalmie. Un calme qui devrait se maintenir et se perpétuer, et cela sous l'arbitrage des instances juridiques, seules compétentes pour faire valoir le droit. Il y a de la grogne à l'UNATEL. Les agents de l'Office national des télécommunications, réunis au sein de leur syndicat Sinatel, ont organisé aujourd'hui une marche pour crier leur ras-le-bol. Elle devait déboucher sur la remise d'un mémorandum au Premier ministre. Ce mémorandum retrace les problèmes vécus par les agents et les difficultés logistiques. Reportage Nyarki Teda. Les agents ont répondu à l'appel du syndicat national des télécommunications pour une marche. Venus de différentes sections provinciales du Sinatel, les marcheurs ont voulu par cette action décrier ce qu'ils qualifient de dérive des gestions de leur direction générale. Après 6 ans de gestion, le constat est amer. Les infrastructures de base ont connu un recul. Le développement des compétences négligé, une gestion opaque, des problèmes récurrents de qualité de service, des conditions de travail devenues précaires. Le manque de logistique, les pannes répétées sur les installations, le faible débit de l'Internet, la mauvaise gestion du personnel et le manque de plan stratégique pour l'institution sont d'autres problèmes conçus dans un mémorandum et transmis au Premier ministre par l'intermédiaire de son conseiller spécial. Pour le Sinatel, il faut absolument une action urgente des plus hautes autorités du pays. Vers où nous allons aujourd'hui, si l'État n'intervient pas, nous pensons que dans quelques années, c'est un déclin et l'ONATEL, les infrastructures même vont être irrécupérables. Donc, il est urgent que l'État intervienne avant qu'il ne soit tard. Venu réceptionner le mémorandum au nom du chef du gouvernement, le conseil technique salue l'esprit du dialogue préconisé par les travailleurs avant d'assurer que le document sera transmis à qui de droit. Le mémorandum que vous avez remis, je vais le transmettre fidèlement à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui va donc le faire parvenir au gouvernement, qui l'examinera et pour donner la suite appropriée qui s'y est. C'est sur cette note d'espoir que les marcheurs ont repris le chemin de leur institution pour une assemblée générale, question de resserrer davantage les rangs. Les activités de la 9e semaine nationale de la citoyenneté SENAC ont été lancées hier à Ouagadougou autour du thème « Droits humains et civisme, quelle stratégie d'action pour une société de tolérance et de paix ?» La SENAC 2012 devrait permettre de promouvoir une citoyenneté responsable auprès de la population burkinabé. Reportage signé Kadisa Nogo. C'est par l'intonation de l'hymne national, l'un des symboles de la citoyenneté burkinabé, que le ton a été donné pour le démarrage des activités de la 9e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté SENAC sur l'ensemble du territoire national. Initiée par le gouvernement burkinabé en 2004, cette semaine vise à promouvoir une citoyenneté responsable auprès de la population en général et de la jeunesse en particulier. Une jeunesse pour qui l'éducation en droits humains est plus que nécessaire. Le choix de l'école Tampuissé pour abriter le lancement de cette manifestation n'est pas le fait du hasard. L'école est un espace symbolique. C'est le lieu de fabrication des citoyens de demain. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était bon de venir semer la graine
de la citoyenneté dans une école primaire. À partir de cet instant, nous sommes sûrs que lorsque vous bâtissez sur la jeunesse, vous bâtissez sur du durable. Et c'est pourquoi nous avons donc choisi une école, et pas n'importe quelle école, une école lauréate, une école qui s'inscrit dans l'excellence, pour que justement la citoyenneté soit une œuvre d'excellence et que les meilleurs citoyens puissent tirer les autres vers ce qu'il y a de beau pour le Burkina. Droits humains et civisme, quelle stratégie d'action pour une société de tolérance et de paix est le thème retenu pour la 9e édition de la CENAC. Nous voulons remettre les choses à leur juste proportion pour que chaque Burkinabé sache que ses droits sont en relation avec ses devoirs et que ses droits ont pour frontière les droits des autres pour qu'ensemble nous puissions construire une société où il y a la tolérance et puis où il y a l'égard pour les autres et pour les biens publics parce que quelque part, le Burkina est une propriété collective et c'est ensemble nous devons protéger le Burkina contre toutes sortes de prédateurs de l'intérieur comme de l'extérieur. Plusieurs activités sont prévues au cours de cette semaine qui s'achève le 20 décembre prochain. Il s'agit entre autres des conférences publiques sur les droits humains et les devoirs du citoyen, du concours sur le civisme et la propreté à l'école primaire dans 351 écoles du Burkina, des remises de décorations et d'un concert. C'est parti pour l'opération Une femme, un acte de naissance. Le Téléthon a permis hier de récolter 95 millions de francs CFA. Cette opération vise à doter 2 millions de femmes et de filles d'extraits d'actes de naissance et de jugements supplétifs. Reportage Éléonore Yerbanga. C'est un pari presque gagnant pour le ministère de la Promotion de la Femme. 95 millions de francs CFA récoltés sur 100 millions attendus, cette soirée de Téléthon qui a connu la participation du gouvernement burkinabé aura tenu toutes ses promesses. Je vais remercier tous ceux-là qui ont fait les déplacements et qui ont contribué généreusement à presque l'atteinte. Je suis sûre que d'ici le dimanche, il y aura des personnes de bonne volonté qui vont donner les 4 millions qui manquent pour qu'on puisse atteindre notre objectif de 5 millions à mobiliser pour ce Téléthon. L'opération Une femme, un acte de naissance peut désormais commencer à prendre forme. Elle a pour objectif majeur de doter 2 millions de femmes et de filles burkinabées d'actes de naissance et de jugements supplétifs. L'opération a besoin de 2 milliards de francs CFA. C'est une opération qui vise à doter 2 millions de femmes burkinabées et de filles d'actes de naissance. Et c'est une opération qui concerne tout le territoire national, toutes les régions du Burkina et qui va s'étaler de septembre 2012 jusqu'à décembre 2013. Un acte de naissance coûte 1000 francs CFA et avec 1000 francs CFA, nous comptons établir 4 copies de l'acte de naissance pour chaque bénéficiaire. L'opération lancée officiellement lors du dernier forum des femmes sera menée sur une période d'un an. Elle bénéficiera de l'accompagnement de 8 ambassadrices de bonne volonté désignées au cours de cette soirée de Téléthon. Le Salon de la faune et des ressources induites, en abrégé Safari International du Gourmou, se réunira du 20 au 22 décembre prochain à Fada. Objectif de la manifestation, promouvoir l'écotourisme, la pêche sportive et le tourisme synergétique. Le thème retenu d'ailleurs est thème, tourisme synergétique et développement durable. Alors nous recevons le commissaire général de ce Safari, M. Urbain Belemsobo. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être venu ce midi sur le plateau de la télévision nous parler de ce safari. Qu'est-ce que c'est que ce safari international du Gourmou qui se tiendra bientôt? Ok, merci. Avant toute chose, permettez-moi de vous remercier pour accepter effectivement donc d'ouvrir vos antennes pour nous permettre d'expliquer effectivement le concept du safari. Et je profite également à remercier l'ensemble des médias qui nous accompagnent au cours donc des préparatifs. Il faut dire que le safari, comme son nom l'indique, est un concept qui permet effectivement d'organiser donc dans la région la plus giboyeuse du Burkina Faso une manifestation de tourisme synergétique et donc de promotion d'un ensemble de produits ici donc de la nature. Alors le safari, c'est le salon de la faune et des ressources induites. La faune dans la région de l'Est est le principal atout
pour booster effectivement l'économie régionale. Il faut dire que qu'autour de la faune gravite un ensemble de ressources effectivement dans cette région et qui peuvent également contribuer donc à promouvoir donc cette économie locale, régionale et même nationale. Exemple de ressources. Nous pouvons citer comme exemple les ressources halieutiques. Vous savez que cette région donc dispose de deux grands barrages, le barrage de la Compienga et celui de la Tapoa. De Bagré, si on peut l'inclure dans la région. Si vous voulez, il n'y a pas de limite territoriale en tant que telle. Effectivement, le concept de safari aussi implique effectivement que les territoires riverains puissent effectivement participer, être acteurs et bénéficiaires donc de ce salon-là. Alors donc, en un mot, vous, qu'est-ce que vous voulez faire au cours de ce salon? C'est promouvoir ces deux activités-là, les ressources fauniques et puis les ressources induites comme la pêche et puis l'écotourisme également. Il faut dire que ce salon est vraiment le fruit d'une convergence d'idées, de pensées, de réflexions. Et on s'est rendu compte que la région de l'Est, comme vous le savez, c'est la région la plus faunique, si je peux le dire ainsi, du Burkina et même de la sous-région. Donc, dans cette région, il y a d'importants troupeaux de buffles, d'importants troupeaux d'éléphants, d'importants troupeaux de cobas, plusieurs espèces. Et cette région était renommée dans les années 70 grâce à ses campements et à ses hôtels de brousse. Dans le parc W. Le parc d'Arly, dans un premier temps, puis le campement de Diapara et les campements du W. Vous savez que le W est un parc qui est partagé par trois pays, le Bénin, le Burkina et le Niger. Et donc, tous ces avantages-là, effectivement, ont milité pour faire en sorte que le salon de la faune et des ressources induites soit organisé à Fada. Alors, ce salon comprend, si vous voulez, quatre axes. Le premier axe, c'est l'axe valorisation des produits de la nature, tels que la faune, le gibier, le poisson, mais aussi les produits forestiers non ligneux, parce que cette région en regorge. Le deuxième axe, et celle qui constitue le volet éco-citoyenneté et bonne gouvernance environnementale. Et dans cet axe-là, il y a des excursions qui seront organisées donc au profit d'un demi-millier de scolaires, essentiellement de la jeunesse, pour effectivement favoriser une prise de conscience sur l'importance de la diversité biologique et la nécessité d'avoir des actes éco-citoyens en sa faveur. Il y a également donc une rencontre avec les acteurs du secteur de la faune, des ressources halieutiques et des produits forestiers non ligneux. Et des partenaires, certainement. Et l'ensemble des partenaires pour développer effectivement et encourager le dialogue entre les différents acteurs et améliorer ainsi la gouvernance environnementale. Le troisième axe? Le troisième axe est un axe essentiellement festif. Parce que nous ne pouvons pas organiser un tel salon sans lui donner un caractère festif. Et ça sera le côté animation où, au cours de la durée donc, du safari, il y aura une palette d'artistes qui vont effectivement animer la ville et donner vraiment un caractère, j'allais dire, de fête à ce salon-là. Donc, parmi les artistes, je vous en cite quelques-uns. Il y aura vraiment ceux qui sont au top, comme par exemple Floby, Des Altino, Greg et d'autres qui ne sont pas moins renommés que ces artistes-là. C'est une véritable fête populaire. Qui sera organisée donc, à Fada. La réflexion qui va se mener aussi. Exactement. Alors, enfin, monsieur... le quatrième axe donc, de ce salon, c'est les activités connexes. Alors, au cours du salon, il sera procédé au lancement de la campagne d'exploitation faunique 2012-2013. Et vous savez que chaque année, la chasse s'ouvre le 1er décembre, mais le lancement officiel est parfois décalé. En plus du lancement, il y a des activités donc, de construction d'infrastructures, de produits forestiers non ligneux et essentiellement également... Donc, lancement de l'étude sur la réalisation d'un écomusée à Fada.
Voilà, c'est avec passion que vous nous parlez de ce salon. Nous allons vous retrouver, en tout cas au cours de ce journal, pour tirer les conclusions de ce safari qui aura lieu à Fadangourma du 20 au 22 décembre prochain. Le livre, en fait, à l'occasion de la Foire internationale du livre de Ouagadougou Philo, qui se tient depuis hier sur le site du CIAO, après le rendez-vous manqué de 2011, la Philo 2012 a bel et bien lieu donc... autour du thème « Livres, lecture publique et défis du développement ». Reportage, Safiatou Tamboula. Consacré à la promotion du livre depuis sa création en 2000, la Foire internationale du livre de Ouagadougou accueille chaque année les acteurs de l'édition et le grand public. Elle procède d'une stratégie adoptée par le ministère de la Culture et du Tourisme pour organiser les acteurs du secteur du livre. C'est véritablement réaffirmer la place prépondérante, la place importante qu'occupe la culture dans le développement d'un pays. Cela est valable pour, la manière de façonner les mentalités, mais il faut dire aussi que de plus en plus, il faudra qu'on ajoute la notion d'économie de la culture, pour ne pas penser que la culture est simplement une sorte de tonneau de Danaïde où on investit à perte, mais qu'on sache qu'on peut parler d'industrie culturelle et que ces industries culturelles-là peuvent apporter une plus-value et peuvent participer valablement donc au produit intérieur brut de chaque pays. Il s'agit pour cela de bien organiser le secteur, de pouvoir faire les investissements nécessaires pour créer les infrastructures, d'organiser les acteurs de ce secteur-là. La Côte d'Ivoire, de par sa riche expérience en matière d'édition et de distribution du livre, est le pays invité d'honneur. Et la forte délégation présente à la Philo 2012 place cette participation sous le signe du renforcement des liens très anciens qui existent entre nos deux pays. Nous sommes heureux que nous soyons invités d'honneur à cette 11e édition de la Foire du livre de Burkina. Et c'est pour cela que nous avons répondu avec une forte présence. Le gouvernement a autorisé qu'une forte délégation de 42 membres puisse venir. Cette délégation comprend, comme nous l'avons dit, toute la chaîne du livre, des éditeurs aux libraires, aux écrivains. Donc nous sommes là, vous avez vu la forte délégation d'écrivains, plus de 10 écrivains qui sont venus pour apporter la chaleur ivoirienne au peuple frère du Burkina Faso. La Foire du livre a pour ambition de contribuer à l'émergence de l'industrie du livre. Pour booster ce secteur, la présente édition est placée sous le parrainage du président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina Faso. La foire est l'occasion aussi de rendre hommage aux écrivains et cette année, le choix s'est porté sur la poétesse et nouvelliste Bernadette Sanouné Dao comme écrivaine invitée d'honneur. Et elle rendra également un vibrant hommage au dramaturge Jean-Pierre Guengané décédé en janvier 2011. La Philo 2012 sera également le lieu d'exposition, de dédicaces et d'ateliers littéraires. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina a convié la délégation ivoirienne qui participe à la Philo à un dîner hier soir. L'occasion a été donnée de réfléchir sur la contribution de la culture au renforcement de l'intégration politique et économique des deux pays. Amadou Ardo Diko. C'est dans le cadre de la 11e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou que ce dîner a été organisé pour honorer la délégation ivoirienne, forte de 42 personnes, parmi lesquelles on peut citer des écrivains, des éditeurs et des libraires. Une occasion pour renforcer l'intégration séculaire entre nos deux peuples à travers le savoir. Aujourd'hui, la colonisation a créé des fondations dans nos têtes en nous isolant les uns des autres, en faisant croire que les Ivoiriens, les Burkinabés sont des peuples différents. Il nous appartient, nous, hommes de pensée, hommes de culture, de recréer cette cohabitation et d'effacer ces frontières artificielles dans nos esprits. Ce processus qui a été enclenché par les deux chefs d'État, Alassane Dramane Ouattara et Blaise Compaoré, passe de la phase politique à sa mise en œuvre par le biais culturel. Il s'agit avant tout de pouvoir matérialiser, de concrétiser déjà la libre circulation des artistes. Cela est très important. De permettre aussi, à travers cette libre circulation, une meilleure exposition, une meilleure expression des différents secteurs culturels, que ce soit du côté du Burkina Faso ou bien du côté donc de la Côte d'Ivoire. Cela est très important en matière d'échange. La culture est un puissant levier de rapprochement entre nos deux peuples, un facteur d'intégration.
En pleine philo, une romancière burkinabé apporte sa contribution à l'apprentissage de l'anglais. Noélie Yaogo vient de publier un roman intitulé « The Ode Against Cycling ». En français, il y a peu de faveur au vélo. L'œuvre dépeint les maux de notre société. Mumuni Soubeiga. The Odes are Against Cycling, où il y a peu de faveur au vélo en français, est une œuvre de 163 pages, publiée uniquement en anglais. C'est un roman à travers lequel Noélie Yaogo magnifie le vélo, un moyen de transport bien développé chez nous et qui cache de nombreuses réalités auxquelles fait face la jeunesse. C'est le chômage, il y a de la prostitution, comme c'est très sûr, il y a vraiment le manque d'emploi et tout ce qui est comme le trafic de drogue et autres, tout ça s'est développé dans le. J'ai pris ça pour vraiment dépeindre le vélo et vraiment la route là pour dépeindre les événements et les personnages du livre. L'œuvre est dédiée aux amoureux de la langue de Shakespeare. À la dédicace, nombreux étaient des lecteurs à l'avoir positivement apprécié. Ça montre à la face du monde que nous, Burkinabés, nous apprenons les langues étrangères et puis nous pouvons aussi nous tirer d'affaire. Il touche du doigt et des réalités de notre pays, des réalités de notre jeunesse. Mais mon plus grand souhait est que ce livre puisse être traduit. En 2007, ce professeur d'anglais au lycée de Signoré à Ouagadougou publiait son premier livre intitulé « Les plaisirs du mal, les plaisirs du mal ». Ce roman a été publié en Pennsylvanie aux États-Unis et coûte 17 dollars US, soit environ 8500 francs CFA. Mais les lecteurs devront encore patienter car l'œuvre n'est pas encore disponible au Burkina Faso. Toujours sur la brèche, le réalisateur burkinabé Aboubacar Diallo vient de signer un nouveau long métrage, Congé de mariage. Le film relate en deux mots la vie d'un couple dont le mari infidèle est obligé de subir un congé de mariage imposé par sa moitié. Salinana. À l'affiche ce soir-là, Congé de mariage. Sur la tribune, les comédiens et le réalisateur reçoivent les félicitations de la première dame du Faso, marraine de la soirée. Dans ce long métrage fiction, Boubacar Diallo rend hommage aux femmes. C'est l'histoire de Claudia, l'épouse fidèle fatiguée des écarts de conduite de son mari, finit par lui faire une proposition peu courante. C'est parce qu'on ne fait rien qu'il se croit tout permis. Hein? Je vais lui donner un congé. Un congé? Oui. Ce soir, je vais lui donner un congé de mariage. Une idée originale, David, l'époux infidèle, est aux anges. Mais sa joie est de courte durée. La soudaine coquetterie de Claudia fait naître sa jalousie. Ça part souvent d'une anecdote, d'une blague entre amis, et puis on se dit pourquoi pas. Et puis voilà, à partir d'une idée, vous essayez de l'étoffer avec des situations que vous avez entendues, toutes les histoires que tout le monde connaît sur la vie de couple, sur les maris infidèles, sur les femmes, sur ceci, cela. Moi, en ajoutant un peu, une petite dose de piment. Il fallait réellement incarner le personnage. Et là, j'ai commencé un peu timidement, mais avec l'aide et le concours de tous, j'y ai parvenu. Jusqu'où cette femme est-elle prête à aller pour donner une leçon à son conjoint et avec quelles conséquences sur leur vie de couple, de la vie de la marraine de la soirée et du public? C'est un film à voir absolument. Le film était très intéressant, beaucoup d'humour. Et aussi beaucoup de réflexions par rapport à la vie, les leçons qu'on donne de la vie. Et moi, je pense que c'est un film à voir parce qu'il est très, très intéressant et très humoristique. J'ai bien aimé ce film qui a été très bien réalisé, avec une très belle qualité d'image, un très beau jeu d'acteurs. C'est bien et c'est encourageant pour le cinéma africain et le cinéma burkinabé. Une histoire d'amour qui, après tous les déchirements, vient après la réconciliation. Le réalisateur compte très bientôt réadapter ce long métrage en feuilleton qui sera proposé à la télévision nationale du Burkina. Dialogue de corps, un festival dédié à la danse contemporaine, est cette année à sa 10e édition. Il est placé sous le thème « Danse d'hier et d'aujourd'hui en Afrique ». Quel défi face aux mutations du champ chorégraphique et quelle perspective pour demain? Abdul Rasmane Zongo.
Dialogue de corps ou encore danse contemporaine, c'est une forme d'expression chorégraphique faisant l'objet de l'organisation d'un festival biennal depuis 20 ans. Rendez-vous d'artistes créateurs et faiseurs de l'expression artistique et esthétique, le festival est à sa 10e édition et voit la participation d'artistes venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Placé sous le thème « Danse d'hier et d'aujourd'hui en Afrique », quel défi face aux mutations du champ chorégraphique et quelles perspectives pour demain ? Dialogue de corps 2012 se veut un cadre de dialogue et de transmission de savoir. Pour cette 10e édition, on a pensé en tout cas à inviter les jeunes. C'est vrai que jusqu'à présent, Saleh et moi, on s'était battus pour construire en tout cas cette danse-là avec beaucoup plus d'adultes. Et cette année, on a initié en tout cas la présence de nos petits, de nos enfants. C'est ce que j'aime bien dire, ce sont nos enfants à nous. Donc on a envie qu'ils puissent eux aussi s'imprégner, qu'ils puissent avoir de l'éveil culturel. C'est-à-dire que peut-être qu'ils vont être des danseurs ou pas du tout, ce n'est pas ça l'essentiel. C'est qu'ils arrivent eux à se construire pour demain aussi. Qu'ils puissent savoir où est-ce que les créateurs s'appuient. Et en même temps, je pense qu'ils vont avoir la curiosité d'aller interroger les parents en se disant « Ah ben j'ai vu une danse là qui vient de tel village ou telle région, ça veut dire quoi ?» Je pense que c'est ça qu'on a envie en tout cas d'inculquer à ces jeunes-là. Au titre des innovations, la présente édition voit l'implantation d'un village chorégraphique et d'un espace enfant, ainsi que la renaissance du mythique théâtre populaire. À travers une filière pour laquelle tout n'est pas donné au départ, parce que la chorégraphie, la danse, dans un pays qui a des priorités, on peut se dire, mais alors comment on peut organiser un tel festival qui tienne sur une décennie? Je pense qu'il faut féliciter les organisateurs de ce festival. Beaucoup d'activités sont au programme pendant une dizaine de jours et déjà, cette cérémonie d'ouverture a été marquée par la coupure du ruban du village chorégraphique, la visite guidée des stands et une prestation chorégraphique.